Radio Vécu, la radio qui grandit avec vous. Radio Vécu, la radio qui grandit avec vous. Hello and welcome back to Radio Récré. Bonjour et bienvenue sur Radio Récré. We are in CM2 and today is the 28th of June. On est en CM2 et aujourd'hui on est le 28 juin 2022. We are going to present the last Radio Récré show of the year. On va entendre des poésies. On va rencontrer des canards et des papillons. Et on va visiter des châteaux. Et plein d'autres choses. Allez, on commence. Allez, on commence. On commence avec les FSMS. Au CFBL, on a fêté la semaine de la poésie il y a quelques semaines. Toutes les classes ont pu réciter des poèmes. Allez, on va les écouter réciter en français et en anglais. Poetry Week, les poésies du CFBL. CFBL Poetry. Semaine de la poésie. Vous en avez les PSMS A. C'est la baleine qui tourne, qui vire autour dehors. Petit navire, prends garde à toi ou la baleine t'osera. C'est la baleine qui tourne, qui vire autour de toi. Tu n'as rien vu, regarde à toi, ou la baleine te mangera. Niac! C'est la baleine qui tourne, qui tourne autour de toi. Tu n'as rien vu, regarde à toi, ou la baleine te mangera. Niac! Qui tourne, qui vivre autour de petit navire. Prends garde à toi, ou la baleine te mangera. Niac, plouf. C'est la baleine qui tourne, qui vivre autour d'un petit navire. Un navire. Prends garde à toi, ou la baleine te mangera. Niac, plouf. C'est la baleine qui tourne. Petit navire, qui tourne, qui vivre autour de toi, petit navire. Poetry Week. Hello, we are PSMS. Round and round the garden, like a teddy bear. One step, two step. Dans la dernière émission, les PSMS nous ont proposé un jeu de devinettes, Guess the Animal. Maintenant, accueillons Zen et Théodore pour le tirage au sort. Théodore. Es-tu prêt? Oui. Oh, le suspense. Oh, tu vas gagner. Oh, tu vas gagner. C'est...
Bravo. Bravo. Bravo, Edith. Quelle chance. Tu as gagné 2 crêpes offertes par le restaurant Crêpes à la carte de Kentish Town. Bravo. Bravo. Quelle chance. Bravo. Bonjour. GSM, vous adressez la parole. Ils vont vous parler des papillons qu'ils ont élevés dans leur classe. Bonjour, nous sommes les GSM. Aujourd'hui, nous allons raconter la vie d'un papillon. Nous aimons les papillons et nous avons élevé des papillons dans la classe. Au départ, ce sont des œufs qui deviennent des chenilles. En classe, nous avons reçu des minuscules chenilles. On les a mis dans des petits pots. Elles ont reçu de la nourriture et elles ont beaucoup mangé. Elles sont devenues très grosses. Connaissez-vous les 4 parties de la chenille? La tête, l'abdomen, le thorax et les pattes. La chenille construit son cocon. Elle devient une chrysalide. Au bout de quelques jours, le papillon sort de son cocon. Et oui, la chrysalide est devenue papillon. Le papillon sèche ses ailes. Il est prêt à s'envoler. Le papillon, lui aussi, a une tête, un thorax et un abdomen. Il a 6 pattes et il a des ailes. C'est un insecte. Le papillon était rouge, marron et blanc et noir. Une fois les papillons prêts à s'envoler, on les a lâchés dans la nature. On leur a dit des petits secrets avant de s'envoler. Ils s'étaient tout doux sur notre main. Au revoir les papillons. Earth. Jupiter. Mars. Saturn. Neptune. Venus. Let's guess the planets. Devinons les planètes. 3, 2, 1, blast off with the GSMs. Guess the planet. Hello, we're GSMA. We have been learning about the solar system. Listen to our clues. Can you guess the planet? It is the closest planet to the sun. It is hot in the day and cold at night. It has no moons. Have you guessed? The answer is Mercury. It's Mercury. Can you guess the second planet? It is the furthest planet from the sun. It is a stormy planet. Have you guessed? It's Neptune. Neptune! Can you guess the third planet? It is the hottest planet in the solar system. It has volcanoes. Had you guessed? It's Venus. Venus! Can you guess the fourth planet? It has the highest mountains in the solar system. It is a rocky red planet. It has 2 moons. Have you guessed? It's Mars. Mars! Thank you for playing. Goodbye. Guess the planet. C'est
Salut, t'es déjà allé au Science Museum ? Non, mais je me demande comment c'est. Waouh, quelle coïncidence ! Les GSM y sont allés la semaine dernière. Écoutons leur reportage. GSM. We are in a coach going to Science Museum. I'm really excited. Our planet who changes to Mars and Mercury and the Sun and Earth and Venus. We're going to do experiments and we're going to have lots of fun. When it explodes, because we're going to have lots of fun. And we can play together. Because we can make experiments. For example, when we put something in the water, it makes bubbles. And also we can see an Earth thing. The stars in the museum, they're like this big. Yeah, they're this big. And the other stars are small. We're gonna go to the Science Museum. Because I like science, and also I have a science kit at my house, and also I like space. Very happy, lots of good sunshine, and very excited children. The school is going to a museum, and I'm so excited to see everything inside. Because I like planets that's enormous. Excited because I'm going to learn all about space, and I'm going to eat freeze-dried food. Yes, I will go to space and eat freeze-dried food and work on the computer and play chess. I'm excited to go to the museum and I hope there's going to be fun games. My favourite bit of the Science Museum was the planet. J'ai bien aimé les fusées. La fusée qui on voyait comment elle se séparait. Moi j'aimais tout. On a vu des avions de chasse au musée. Ils étaient blancs et tu sais la queue là, elle était bleu, blanc et rouge. Je préfère tout. Au workshop. Où il mesait la balle et il mesait dans le panier et où il faisait les choses là et après les fusils partaient, les quatre fusées qui partaient. Là on essayait d'être, on s'habillait, on mettait les mains dans quelque chose et on pouvait attraper, il fallait attraper tous les objets. C'était juste un jeu pour attraper tous les objets, comme un cosmonaute. Moi, c'est quand je regardais les planètes qui changeaient. En fait, c'était pas... C'est pour la gravité. Et parce qu'en espace, on flotte pour faire... Et alors, un cheveu qui, quand tu l'allumes, ça faisait de l'air. Alors, ça faisait la balle. Et il fallait... La personne marche. Il fallait que la personne marche pour le mettre dans le but. Elle a expliqué que les tuiles, ils étaient cassés et puis on peut pas aller sur Terre. Et puis... Il fallait fixer les panneaux solaires pour qu'on puisse aller sur Terre. Tu veux parler ? Qu'est-ce que tu as préféré ? Moi, j'ai préféré le planète. Planète ? Ouais. Quelle planète ? Le Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Wow. Moi, j'aime bien que le Soleil. I like the science museum, but afterwards I'm gonna miss my mama. But I'm gonna be in school for 1 hour, and I don't mind an hour. And also, it's gonna be pretty short. I liked about the moon because when it said the flat plates are called Maria's, and my mum's called Maria, so that's what my favorite bit was.
Je partais pour réparer un satellite qui était dans le mauvais sens pour la Terre et pour la station nationale. Et j'ai parti dans un costume d'astronaute. Et j'ai réparé le satellite. Au musée, le truc que j'aimais le plus, c'était avec les avions et les planètes. En fait, j'ai appris que mon ami Alexandre, en fait, il a en fait fait quelque chose que j'ai jamais vu dans le musée, être un astronaute. J'ai appris que les fusées, ils sont propulsés par les moteurs. Au musée, quoi j'ai appris, c'est comment faire des expériences des planètes qu'on fait dans l'espace. J'aimais la grande boule que les planètes ils changeaient. Il avait une peinture et Mars, le Soleil et la Terre. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le musée de CE1? Parce que c'était trop cool. Quand il y avait les mains, on pouvait attraper des objets comme un astronaute. Oui, comme si j'étais dans l'espace. I preferred when we were going to the toilet at the end, because I love when we go on the coach. Merci, au revoir. Roses are orange, mangoes are blue. I don't think those are the right words. I heard the CPs are doing poems. Yes, and I think they will be a bit nicer than your phrases. Hey, let's just go there before any argument happens. Poetry Week. C'est les poésies du CFBL. CFBL's Poetry. Semaine de la poésie. Hello, we are GSMB. I can jet to the moon or fly to Mars. Take my shuttle or my solar car. Shout, we have liftoff on a faraway star. In my spaceship under the stairs. Poetry Week. Bonjour, nous sommes les GSM. Nous allons vous réciter deux poèmes de Jacques Prévert. Soyez polis, de Jacques Prévert. La terre aime le soleil et elle tourne pour se faire admirer. Et le soleil la trouve belle, il brille sur elle. Et quand il est fatigué, il va se coucher. Et la lune se lève. Jacques Prévert. Il faut être poli avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier le matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits, pour tout ce qui est bon à manger. Tout ce qui est bon à regarder, à tout toucher, il faut les remercier. Jacques Prévert. Poetry Week. C'est
les poésies du CFBL. We are in CP. What is green? What is green? Green is the grass and the leaves of trees. Green is the smell of a country breeze. Green is the coolness you get in the shade of the tall old woods where the moss is made. Green is a flutter that comes in spring when frost melts out of everything. Green is a grasshopper, green is jade. Green is hiding in the shade. Green is an olive and a pickle. The sound of green is a water trickle. Green is the world after the rain, bathed and beautiful again. Green is a meadow. Green is the fuzz that covers up where winter was. Green is ivy, honeysuckle vine. Green is yours, green is mine. Mary O'Neill. Poetry Week. Bonjour, je m'appelle Jeanne et je suis en CP. La mer s'est retirée. La mer s'est retirée. Qui la ramènera? La mer est démontée. Qui la remontera? La mer s'est emportée. Qui la rapportera? La mer est déchaînée. Qui la rattachera? Un enfant qui joue sur la plage avec un collier de coquillages. Jacques Charpentreau. Poetry Week. Les poésies du CFBL. Ah Lily, tu veux bien me raconter une histoire? Bien sûr, avec plaisir. Alors, il était une fois une femme, non, une fille, oui, qui vivait à la campagne. Non, c'est mieux à la mer. Oui, j'aime bien la mer. Arrête. Tu n'as pas l'air de savoir ce que tu veux dire. Arrête, Lily. Faut mieux écouter les professionnels. Les CP ont inventé des histoires en anglais. Allons les écouter? Allons-y. Hello, we are CPs. We're going to read our stories to you. We had to make up our story. We needed imagination. Characters. We need as well some titles. We needed big events. Don't forget the full stops. We needed to think about the places. It takes place in magical places. We needed to write about beginning, middle and end. Hello, what's your name? Anna. What is the title of your story? My sister and I went to the stable. One day, my sister and I went to the stable and got on a horse. It was such good fun. We trotted and jumped and trotted again. It was such good fun. Until, ouch, where, my sister fell off. She went to the nurse. She had a scratch and had to have a plaster. I made her feel better by playing with Barbies. We had to go home then, but I played with her again. We had some lunch and my sister felt a bit better. We played a bit until dinner. It was then time to go to bed. The end. Hello, what's your name? My name is Lena. What's the title of your story? Rolly in the Wood. Once upon a time, there was Lena, Rolly and Fluff. Fluff was a kitten. Rolly was a puppy. Lena was a girl. Lena was at the river with her pets, Rolly and Fluff, and they were having fun. Rolly was in the river and splashing Fluff. Then Fluff started splashing Rolly. Then Rolly went into the deep, dark wood. Rolly was scared. He was scared of being by himself.
He was starving and he was sad. The next day, he found his way out of the wood and found his way home. He knew it was the right way because he saw the river and some drops of water. He found his way out of the woods and found his way home. He knocked at the door and found Lena. They gave him a big cuddle and they had dinner. And then they went to bed. Night, night. Vous savez, en Angleterre, il y a plein de châteaux. Les CP ont visité le château de Mount Fitchett. Ah oui, celui-là, je ne connais pas et pourtant, j'en connais beaucoup. Ah bah, ça tombe bien parce qu'ils vont tout nous raconter sur leur visite. C'est l'heure du reportage! Radio Récréz Report! Bonjour, nous sommes les CP. Nous sommes allés visiter le château Mount Fitchett. C'est près de l'aéroport de Stansted. On a pris le car pour y aller. On a donné à manger aux animaux, des biches. Des chèvres. Et les chèvres, ils ont mangé 2 paquets de grains. Et les poules. Les chèvres, ils ont volé nos paquets de nourriture. Oh, les gourmandes! C'est un château en bois. On a vu des maisons de moyen-âge. C'est un village fortifié. Ça veut dire que c'est comme un village. Et il y a un mur autour et le mur, il protège le village, donc il n'y a pas des autres gens. Il y avait des parties qui faisaient un peu peur avec des prisons au Moyen-Âge. On a vu des appareils, des tortues. Il y en a, ils sont attachés à une roue au-dessus de l'eau. On a vu une cage avec des squelettes. Mais c'était des faux. Ouf! On a aussi vu des grands tours avec des choses pour faire dedans. On a vu des grands tours qui servaient à défendre les châteaux. On a vu une cuisine de Moyen-Âge. Il y avait des prisonniers pour nous faire cuire. On a vu plein d'outils. On a fait des jeux. On a visité un musée des jouets à l'intérieur du château. Des anciens jouets. Mon préféré, c'était les catapultes. Moi, mon préféré, c'était de donner à manger aux animaux. On a vu un paon qui faisait la roue. Il y avait 2 paons qui faisaient la roue en même temps. Mon préféré, c'était où on mettait les poignets et le cou et après, on fermait l'autre bout de bois pour faire semblant d'être un prisonnier. Mon préféré, c'est les squelettes, les poules et les catapultes. On a vu un paon dans un arbre. On a joué à faire les troubadours. Devant le seigneur et la demoiselle. On a donné à manger aux animaux. Il y avait aussi un super moulin. On vous conseille fortement de visiter le castle de Mount Fitchett. Au revoir. C'est l'heure du reportage. Radio Récréz Report. Ah, je me souviens quand j'étais petite, toutes les poésies que j'avais apprises. Moi aussi, mais j'ai un peu oublié. Eh bien, allons faire un tour chez les CE1, ils vont vous réciter quelques poésies. Poetry Week, les poésies du CFBL. CFBL Poetry, semaine de la poésie. Cette semaine, c'est la semaine de la poésie. Certains élèves passent dans des classes pour réciter des beaux poèmes. Et ils passent aussi dans les bureaux. Est-ce que vous voulez qu'on récite un poème ? Petite pomme, la petite pomme s'ennuie de n'être pas encore cueillie. Les autres pommes sont parties, petite pomme est sans amis. Comme il fait froid de cet automne, les jours sont courts et il va pleuvoir. Qu'on n'est pas au verger noir, qu'on est seul et qu'on est pomme. Je n'en puis plus, viens me cuire, tu viens me cuire, Isabelle. Comme c'est triste de vieillir, qu'on est pomme et qu'on est belle. Prends-moi doucement dans ta main, mais fais-moi vivre une journée. Bien chaud sur ta cheminée, et tu me mangeras demain. Poetry Week.
Hello, my name is Maya. Hello, my name is Anatole. We are from C1B. We will present you poems for Poetry Week. McCavity the Mystery Cat by T.S. Eliot. McCavity is a mystery cat, he's called the Hidden Paw, for he's a master criminal who can defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, McCavity's not there. McCavity, McCavity, there's no one like McCavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a faker stare, and when you reach the scene of crime, McCavity's not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I'll tell you once and once again, McCavity is not there. Poetry Week! Hi, I'm gonna present a German poem called Der Struwwelpeter by Dr. Heinrich Hoffmann. Seht ihr, da steht der Pfui, der Struwwelpeter. Auf die Hände beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Jahr. Pfui, da ruft ja ein jeder, Gast, der Struwwelpeter. It's about like a boy who didn't like, he has like nails long because he didn't want to like people to cut his nails, and he didn't let people like brush his hair. The sea ones had guests last term. The little yellow things that swim around in the water. Ducklings? Yes, the sea ones had ducklings last term. Let's go listen to the sea ones. Hello, we are the sea ones. We will talk about ducklings. A month ago, we had the special delivery. In the delivery, we had eggs in an incubator. We didn't know what type of egg they were. Two eggs were greenish blue. And three were white. Let's explain what an incubator is. An incubator is a kind of machine that can warm up the eggs, and there's a bit of water in it. We were observing the eggs and we saw a tiny little crack that looked like a sort of dot in one of the bluish green ones. After the weekend, we saw in the morning in the class that we saw the duckling hatch. A few days later, a creature came out of an egg. The egg was bluish green. We saw a black beak. We saw the head and two little black eyes. We knew it was a bird, but we did not know what type of bird it was. We saw that it had webbed feet. The bird's beak was curved. The bird was very wet and it looked exhausted. It started to sleep and then climbed around. And then it started to cheep. On Monday, Emma brought two little ducklings, two yellow little ducklings, and one black duckling. On Monday, we gave them a swimming lesson. We put the ducklings in a sort of big tray, and then Anne brought some water in a big dustbin. As soon as we put the ducklings in the water, they figured out that they could swim. We needed to give them food and water. They had a special eater called a brooder. We knew they were ducklings because they had a round beak called a bill and webbed feet. One of our ducklings is a black East Indian duckling. It will grow up to have glossy green and black feathers. Two of our ducklings are Pekin ducklings. They will grow up to have white feathers.
We kept them in our class for about 2 weeks. One day, the lady from the farm came to collect the ducklings. Good night, ducklings! I learned that the duckling had a curved beak. I liked when there was one who dived under the water. We learned about some other types of ducks too, like dabbler ducks, Black East Indian ducks, pecan ducks, diver ducks, and I can't remember the rest. I like to see the duckling swim in the water. I liked when one of the ducklings slept near the other yellow one. I learnt what an incubator is. I liked holding the ducklings. I learned that ducks in the city have been found to have a different accent from country ducks. City ducks have also a louder quack than country ducks. I learned that ducks can live in ponds and rivers, and their poo is yellow. I learned that ducks don't have the same eyes as humans. I learned that ducklings can hatch in an incubator, but in the wild, some of them don't. Cette année, au CFVL, nous avons travaillé pour rendre l'école plus écologique. D'ailleurs, moi, je suis un éco-délégué. Qu'est-ce que c'est un éco-délégué ? Bah, c'est comme les délégués, mais pour l'écologie. On donne des idées aux adultes pour rendre l'école plus écologique. Et cette année, on voulait avoir le label E3D. Écoutons Madame Lacassagne et quelques élèves nous en parler. Les écolos rigolos. Les écolos rigolos. Je m'appelle Faustine, je suis en CE2B. Aujourd'hui, je suis avec Samy en CM2 et avec Madame Lacassagne, notre directrice. Nous allons vous parler de ce que nous faisons en éco-délégué. Bonjour. Bonjour à tous. Nous avons fait la journée zéro papier qui vient de se passer un vendredi. Nous avons fait un Digital Cleanup Day pour vider les boîtes email. Ah oui, on a fait un stand à la kermesse de tout ce qu'on a fait aux éco-délégués. Et l'année prochaine, on va avoir un mur végétal dans l'école. Les CM1 nous ont fait du jardinage. Maintenant, Madame Lacassagne va vous parler des labels. Alors, concernant les labels, nous avons travaillé sur une certification côté français. Nous avons reçu la plus haute distinction du label EFE3D, niveau 3, qui est considéré comme niveau expertise pour toutes les actions qui ont été engagées dans l'école. Et côté certification anglaise, nous avons presque terminé notre candidature pour le Green Flag des Eco-Schools et la deadline était mi-juillet, donc nous aurons les résultats prochainement. Merci Madame Lacassagne. Ben moi j'ai aimé être éco-déléguée parce que c'est un grand rôle, je crois, dans l'école et ça m'a plu. Moi aussi j'ai adoré être éco-déléguée parce que j'ai appris plein de choses sur l'écologie. Par exemple que si tu mettais des emails dans trash, ça consommait beaucoup d'énergie. Et maintenant, je suis prête à faire ces actions à la maison régulièrement. Et j'adorais tout le truc éco-délégué. Nous avons aussi proposé l'utilisation de Ecosia, un moteur de recherche écologique dans l'école. Et oui, ça a été validé. Et les élèves du secondaire ont travaillé sur la labellisation des poubelles. Merci, au revoir. Au revoir. Les écolos rigolos. Maintenant, nous allons écouter les poèmes des CE2. Now, let's listen to the CE2's poems. Let's go, allons-y.
Poetry. Semaine de la poésie. Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis en CE2B. Je vais vous présenter un poème qui s'appelle « Mon stylo ». Si mon stylo était magique, avec des mots en herbe, j'écrirais des poèmes superbes. Avec des mots en cage, j'écrirais des poèmes sauvages. Si mon stylo était artiste, avec les mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fait. Avec des mots de tous les jours, j'écrirais des poèmes d'amour. Mais mon stylo est un farceur, qui n'en fait qu'à sa tête. Et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes. Robert Gélis. Poetry Week. Rebonjour. Cette année, nous avons fait un magazine avec les CE2 et les CM1. Les sixièmes sont venus nous poser des questions sur ce magazine. Radio Récré. Interview. Les interviews du CMBL. Bonjour, nous sommes les 6e C et nous sommes venus interviewer les CM2 sur leur projet d'article. Ben, on travaille sur un journal pour l'école et il y a des différents types d'articles comme le Music Jam et l'Ukraine, des choses comme ça. Et les CE2, ils ont choisi les sujets et puis les CM1, ils ont fait les interviews et les photos. Les CM1, ils nous envoient des audios et des articles. Les audios, il faut les... Translate et les recopier sur Google Docs et il faut essayer de les mettre en article. Il y a un site appelé Mad Mag où c'est là où on trouve les magazines. Vous, quel article rédigez-vous ? Moi et Jean, on fait les 24 heures sur la vie de Patrice. Mon groupe et moi, on travaille sur des articles sur le 60e lait de la reine. Moi et Alice, on fait la vie de 24 heures sur Madame Lacassagne. Moi, Harry, Émile et Elias, on fait sur les maisons de CFBL. Sophie et moi, on ne fait pas spécialement un sujet, on fait le sommaire, le contents page. Stanley, Amy et moi, on fait le club de basket. Moi, Enzo et Azat, on fait les équipes de foot. Moi et Nathan, on fait les chansons préférées de Mister Perlin. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour votre article ? Bah, en fait, il faut écouter un interview des CE2 et après, il faut tout écrire sur un Google Docs et après, il faut mettre sur notre newspaper. Les CE2 ont trouvé le sujet, mais c'est les CM1 qui ont fait l'interview. Le club de basket et on a besoin d'écrire pour chaque sujet, on a besoin d'écrire un petit texte. En anglais ou en français. Est-ce que c'est long d'écrire tout ça ? Peut-être, parce qu'on a besoin d'écrire en français et en anglais, puisque les sujets sont en anglais et en français. Bah, c'est bien, ils font des articles, ça leur permet d'apprendre des choses, genre l'orthographe et... De comment faire des interviews, de poser des questions, des réponses, de rédiger des textes, vu que c'est les CM1 qui prennent des audios et qui les réécrivent. Oui, ça me plaît beaucoup, car t'arrives un peu à interacter avec les ordinateurs. Et aussi, dans ce travail, on apprend à créer des magazines, à s'utiliser des documents qui ont été pris par de plus petits et à en faire des magazines. J'aime bien utiliser les Chromebooks et... Je préfère que utiliser les cahiers, je trouve ça plus amusant. Bah moi ça me plaît parce que c'est sur ordinateur. C'est un travail que j'aime bien. Et tu travailles en groupe sans. Tu travailles en groupe sans que la maîtresse te dise rien, donc tu as un peu de liberté, quoi, et tu... Bah pour travailler en classe, et c'est un peu en teamwork, quoi. Parce que c'est un niveau de CM2 pour écrire le journal. Let's go back to Poetry Week. Now it's time to listen to CM1. The CM1 have recorded amazing poems for us. Let's go. Poetry Week, les poésies du CFBL.
CL's Poetry. Semaine de la poésie. Bonjour, nous sommes les CM1B et nous allons vous réciter des poésies. Je m'appelle Jeanne. Je m'appelle Jade. Et moi, c'est Paloma. The Owl and the Pussycat. The owl and the pussycat went to sea in a beautiful pea-green boat. They took some honey and plenty of money wrapped up in a 5-pound note. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh, lovely pussy, oh, pussy, my love. What beautiful pussy you are, you are, you are. What beautiful pussy you are. Pussy said to the owl, "You elegant fowl, how charmingly sweet you sing. Oh, let us be married, too long we have died, but what shall we do for a ring?" They sailed away for a year and a day to the land where the bong tree grows. And there in the woods, a piggywig stood with a ring at the end of his nose, with a ring at the end of his nose. "Dear pig, are you willing to sell for 1 shilling? Your ring," said the pig, "I will." So they took it away and were married next day by the turkey who lived on the hill. They dined on mince and slices of quince, which they ate with a runcible spoon. And hand in hand on the edge of the sand, they danced by the light of the moon, They danced by the light of the moon. By Edward Lear. Poetry Week. Bonjour, je m'appelle Alice et je vais vous réciter La cigale et la fourmi. Je suis en CM. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Poetry Week, les poésies du CFBL. CFBL Poetry, semaine de la poésie. On va maintenant faire 2 tirages au sort pour des énigmes mathématiques. On va commencer par celle de Dana. Jules de 5e B. Bravo Jules, tu as gagné un cadeau surprise. Maintenant, nous allons faire le 2e tirage au sort des énigmes mathématiques, l'énigme de Gabriel. Il y a eu 2 bonnes réponses, c'est serré. Moi, j'ai participé, donc j'espère que j'ai eu la bonne réponse. Peux-tu faire les honneurs ? Et la gagnante est Lily. Ouais, j'ai gagné. Lily, tu as gagné un cadeau surprise. Promis, j'ai pas triché. Au revoir. Au revoir. At CFBL, we love different languages. In May, we had a special month about languages. Every week, we'd have a different meal, such as Spanish meal, a German meal, and a Chinese meal. Let's find out what was on the menus. Voici le menu en chinois. Mian pao. Bread. Tang. Soup. Gui tai shala. Salad counter. Zhu sai chai. Fei sushi. Main meals non-vegan. Zhu chai sushi. Main meals vegan. Fa guo chang kun mian bao. Baguette. La tang mian. Spicy noodle soup. Ya zhou liang ban chai. Asian slaw. Tang chu huo ji. Turkey sweet and sour. Gong bao ji ding. Kung Pao chicken. Ma Pao tofu.
Mapao tofu. Mian chao. Noodles. Dan chao fan. Egg fried rice. Chao chai. Fried veggs. Dan nai sha chi. Custard. Suan nai shui guo. Yogurt, fruit. Qian shi. Dessert. Here is the menu in Spanish. La cantina del CFPL. Sopa del día. Sopa de tomate y frijoles. Tomato and butter bean soup. Pan de molde. Baguette rustica. Rustic baguette. Contador de ensalada. Patatas bravas. Spicy potatoes. Plato principal. No vegetariano. Cazuela de pollo y tocino. Vieiras glaseadas con naranja y soja. Plato principal, vegetariano. Tortilla española. Spanish tortilla. Guarniciones, tomato, arroz, beans verdes. Tomato and green beans. Postre, flan de caramelo. Caramel flan. Here is the menu in German. Truthahnschnitzel. Turkey schnitzel. Sauerbraten. Roast beef stew. Brot. Rustic baguette. Sauerkraut Suppe. Cabbage soup. Kartoffeln, Bohnen und saure Gurken. Salat. Potato, peas and gherkins. Die Beilagen. Bohnenpüree und Erbsenpüree. Mashed green beans. Die Nachspeise. Deutsch Schokoladenkuchen. German chocolate pie. Joghurt und Obst. Yogurt fruit. Vegan Hauptspeise. Vegan schnitzel. Wow, that made me very hungry. But it's not only about the food. Let's hear from Miss Ward's, the English teacher in secondary. She's going to explain what happened in Le Midi Long. Hi, Miss Watts. Could you please tell me more about the project this year? So in May, it started in 2020, actually, as the IFO started this event called the Midi Long. And basically in May, we celebrate all languages. So because it started in 2020 as this initiative and it was COVID, so for the last 2 years, it's been mostly, we've been showcasing what we've been doing in English, French and languages in general on a Padlet that was shared with the IFO. And so this year was the first time we actually had the opportunity to showcase and what we do with real events, real live events. So we had dance lessons in Spanish. So we did salsa and cha-cha and things like that, which was really appreciated by staff and the students. We had an exhibition with all the food idioms. So we created last year as part of the Midi Long an idiom dictionary with the French department, the English department and the languages department. And so all these different teachers and subjects worked together on a dictionary on food idioms. So they were all presented in the canteen, and then so students had to answer a Google form quiz on it so that they could earn points for their houses. So that was another one. We also participated in the Stephen Spender Prize competition, which is a competition where students take a poem from one language and translate it into English. So some poems in Spanish have been translated, in French, etc., German. We had days at the canteen when we ate Chinese food and German food and Spanish food. Somehow we didn't get, and we had French food as well, like proper French menu. Somehow we didn't get the British menu. And when I asked, they said that it's not really popular. So there it is. We had the Battle of the Bards, I forgot to mention, where students wrote sonnets on Shall I Compare Thee to a Summer's Day, but it was Shall I Compare Thee to
And then they were supposed to fight with iambic pentameters. And that was also quite fun, quite a fun event that we had on. Thank you, Miss Watts. I heard that the Sankeum have done doing something. I don't know, but it seemed interesting. How is it interesting? It said something about a competition. Oh yeah, I heard something about poems. Oh yeah, they chose poems in different languages and translated them to English. Let's go hear that. Radio Récré. Interview. Les interviews du CMBL. Hello, we are Miss Watts' 5e English class, and today we're going to explain to you what is the Stephen Spender Prize. So the Stephen Spender Prize is an annual poetry translating competition, and it's this time it's a special category for students. You can win up to £150. Winners and runner-ups will be published, plus they will have the opportunity to attend an awards ceremony and share a recording of the translation. Participation will look great on CVs, cover letters and university applications. Let's ask Miss Watts a bit more about it. Okay, so the Stephen Spender Prize competition has been done throughout all the 5e, not just my class. They happen to be interviewed in this class as part of the mid-long events that we were organizing this year. And students had to choose a poem of any language. So in English class, we asked them to take a French poem, but in Spanish, they could take a Spanish poem, a German poem, etc., and translate it into English. Once they have translated it, they have to write about three decisions they have made in the translation, like why they changed particular words, or why they added things, or had to change the whole syntax of particular lines in order to fit the English language. Thank you. Here are some examples of translation. I translated Il pleure sur mon cœur comme il pleut sur la ville by Paul Verlaine. I translated Les nuits de juin par Victor Hugo. I translated Refe by Nino. I translated Time to Hour. I translated Demain dès l'aube by Victor Hugo. I translated Je rappellerai sa thèse. I translated Tard dans la vie. Mon premier souvenir by Michel Vidon. Un sourire de Raoul Follereau. Translated Le lion et le rat by Jean de La Fontaine. I translated L'éternité. I translated Demain dès l'aube par Victor Hugo. I translated Désappointement by Paul Verlaine. I translated Ramener la coupe à la maison by VG Dream. I translated Roman by Rimbaud. I translated Les Feuilles Mortes by Pernette Chaponnière. My poem is called Demain dès l'aube, and I chose this line because I thought it was good. In French, the original line was Triste et les jours pour moi sera comme la nuit. Sorrowful and for me, day will live as night. I changed day will be as night to day will live as night because I thought be was pretty flat compared to live, and it created a personification. Here is the extract in French. Il suffit de si peu de choses, un peu de courage si j'ose. La vie n'est pas toujours facile, mais il suffit de redresser la tête, d'affronter certaines adversités avec beaucoup de sincérité. And the English one is, it takes so little courage to be there. Life is not always easy, but keep your head up to face certain adversities with a lot of sincereness. Translating wasn't that hard, but it was fun, and I like translating it. My poem is called Ramener la coupe à la maison by VG Dream. I really liked it since it was written in 2018, when France won the World Cup. And it was written to celebrate this, and I really like it because of the style and everything. Here is the chorus that I translated in English. Here is a passage in French. Ramener la coupe à la maison, allez les bleus, allez. 20 ans après, c'est le moment, allez les bleus, allez. Ramener la coupe à la maison, allez les bleus, allez. 20 ans après, on est champions, allez les bleus, allez.
Bring back the cup, go, let's go. 20s after, it's now time, go, the Blues, go. Bring back the cup, go, let's go. 20s after, we are now champions, go, the Blues, go. That was the chorus, and I really changed it. I made it shorter to make it sound a bit more appropriate for the English language. And I put my own style in it, because that's the point of translation. And since the chorus is repeated frequently by changing it, I have the opportunity to have a more permanent mark on my work. I learned that translation is not changing the world, it's also changing the culture. Because expressions in French are different than expressions in Spanish or German or Italian. I did rhymes. What I did to do rhymes is I added the same word, hey, an onomatopoeia, at the end of each verse to make it sound a bit more like a rhyme, to keep the rhyming pattern of my poem. And I also, and since my poem is basic, is there's a lot of name mentioning at the end of each verse, it was quite easy to make the rhymes. We will have the results in September. Dun, dun, dun. Radio Récré. Interview. Les interviews du CMBL. J'ai très faim. Qu'allons-nous manger ce midi? On pourrait aller à un restaurant espagnol. Waouh, c'est magique! Au fait, les sixièmes ont mangé dans ce restaurant. Écoutons leur avis. Alors, nous sommes le groupe de Madame Belzal Soto, la plupart. Et là, on est à Ramon pour la fin d'année, après un an d'espagnol. Donc, s'il y a des CM2 qui sont en train d'écouter ce programme, eh ben, je vous dis, choisissez espagnol parce que ce qu'on mange, c'est trop bon. Alors, moi, j'ai choisi des croquetas de pollo. Donc, c'est des croquettes de poulet, c'est super bon. Et tortilla espagnola. Donc ça, c'est de l'omelette. Et les deux, j'ai adoré. Donc si vous passez par ce Ramon, je vous conseille de prendre ces deux choses-là. Bonjour, je suis en 6e et je suis allée avec ma classe d'espagnol à Ramon. C'est très bon et je vous conseille de choisir espagnol. Monsieur Sanan, il est très sympa, et Madame Benzo Soto aussi. J'ai pris du calamar frit et du jambon avec du fromage fondu, et c'est très très bon. C'est des croquetas de polo, qui sont des croquettes de poulet. Et des calamares à la romana, qui sont du calamar. Alors j'ai mangé, enfin, j'ai un peu tout mangé parce que j'ai volé à mes amis. Mais j'ai surtout pris une salade mixte et des croquetas de manchego. Oui, 100%, je conseillerais aux autres de prendre espagnol parce que c'est très marrant et c'est très intéressant. Oui, car c'est la langue la plus facile. De toutes les langues. J'aime la nourriture et la langue aussi, car contrairement aux autres langues, et ben je trouve que c'est la langue la plus facile à parler et la plus belle. Ensalada mixta, patatas bravas, tortilla española, croquetas de manchego, berenjenas, gratinadas. Buen provecho. Connaissez-vous les expéditions du duc d'Édimbourg? Les trois hommes y ont participé. Ils vont vous expliquer. Special Duke of Edinburgh. Spécial Duke d'Édimbourg. Bonjour, nous sommes en 3ème B. Je m'appelle Lily. Je m'appelle Océane. Je m'appelle Louise. Je m'appelle Lise. Alors, on va vous expliquer notre expérience avec le duc d'Édimbourg cette année. Donc, le duc d'Édimbourg, c'est une expérience qui consiste en 4 sections. Il y a la section expédition, skills, volunteering et physical. Dans chaque section, il faut s'investir dans, par exemple, physical, ce serait s'investir dans une activité sportive. Volunteering, tout ce qui inclut du volontariat. Et skills, c'est quelque chose que vous apprenez, c'est un nouveau talent. Et expedition, c'est une expédition donc dans un milieu naturel ou avec une équipe où c'est 2 jours. Voilà, et c'est campé, voilà, donc c'est génial. Donc pour l'expédition, on est parti dans la campagne anglaise et on était en groupe de 6, environ 6 personnes et on devait se diriger avec une carte et une boussole. Le soir, on devait cuisiner
on a apporté notre propre nourriture. L'expédition, on a mangé des hot dogs, c'était pas très bon. J'ai vu que les autres équipes, c'était bien meilleur que nous. On a marché pendant environ 20 km par jour et c'était assez long et on s'est perdu plusieurs fois, mais on a toujours retrouvé notre chemin. Alors pour le volunteering, on peut s'investir dans une association par exemple. Moi j'ai fait l'association qui est installée dans le parc à côté de l'école His Hands et j'ai participé à l'association qui s'appelle His Hands Association. Et dans cette association, j'ai appris comment planter et comment j'ai appris beaucoup de choses sur la nature et les espèces locales qu'il y avait dans le parc. Alors, pour volunteering, moi, j'ai choisi de faire tutoring pour une élève qui est au CFBL en 6e. Moi, j'ai trouvé que c'était une grande opportunité parce que ça m'a appris à communiquer avec des individus plus jeunes et à partager mes propres expériences parce que c'était une élève qui était déjà très douée. Donc, c'était vraiment juste, c'était pas vraiment du tutoring pour l'aider, mais plus pour la tirer plus vers le haut. Moi, pour le volunteering, j'ai aidé une entraîneuse de football pour des filles de 6 à 8 ans. Et ça m'a permis de mieux savoir parler à des enfants et de donner mes compétences pour qu'elles s'améliorent. Mon meilleur souvenir avec le Duc d'Édimbourg, c'était l'expédition et le soir, quand on était tous réunis, on faisait des activités. Moi, mon activité préférée dans le Duc, c'était l'expédition aussi, mais plutôt la journée et s'orienter, même s'il y a eu pas mal de disputes. Mais sinon, c'était une bonne ambiance. Alors moi, c'était pareil, c'était l'expédition, notamment la dernière. Surtout quand on s'est perdu parce que on savait pas du tout où on était et du coup c'était vraiment basé sur l'improvisation et du coup c'était stressant mais excitant à la fois, donc voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et vous, Monsieur Canto, quel est le bilan que vous faites de cette année du coup? Mais moi, je suis extrêmement fier en fait des participants du Duc d'Édimbourg cette année. C'est une vraie réussite parce qu'on avait 56 participants. Et il y a 50 élèves qui ont réussi leur DOEV Award. Donc, c'est un beau pourcentage. Ils se sont bien investis. Un vrai engagement de la part des participants. Et c'est vrai que les expéditions finales ont été super agréables cette année avec deux groupes hyper sympas. On a fait des activités ensemble le soir. C'était vraiment, vraiment bon enfant. Et je garderai un vrai beau souvenir en fait, de cette promo... 2000, quelle année vous hein? De 2022, oui, les élèves de 2007. Donc une super expérience encore une fois, mais c'est vrai que cette année a un vrai goût de réussite. Voilà. Merci Monsieur Canto pour avoir organisé cette fabuleuse expérience. Special Duke of Edinburgh. Special Duke d'Édimbourg. Et voilà, Radio Récré, c'est terminé pour cette année. On vous souhaite d'excellentes vacances et on vous retrouve en septembre. Au revoir! Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.